Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette émission où les consommateurs ont la parole. Une question de Monsieur Crapard de Lyon 6e. Mon véhicule est mort, le moteur est mort. Il est chez le garagiste depuis 15 jours maintenant. Est-ce que mon garagiste peut me facturer des frais de gardiennage? Alors, je vous répondrai, Monsieur Morlu, tout dépend du cas. Allô, Monsieur Bernard? Ouais, bonjour, c'est votre garagiste. Ouais, dis donc, c'est à propos de votre bagnole, là, je vous appelle pour vous dire, bon, ben, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué, votre moteur, il est mort, hein. La voiture, ça fait 15 jours qu'elle est là. Bon, ben, il va falloir prendre une décision, hein, sinon, je vais vous compter du gardiennage. Ah non, mais pas pour la bagnole, elle dérange pas, elle est dans un coin, là. Non, mais c'est pour la dame que vous avez laissée dedans, quoi. Votre femme, oui, bon, voilà, ben, faut prendre une décision, hein, faut venir la charger, parce que là, ça fait 15 jours qu'elle est là, elle fait chier tout l'atelier, j'ai deux démissions, un burn-out et une dépression nerveuse qui s'annonce, là. Non, ça va plus être possible, hein, monsieur Bernard. Dans ce cas-là, bah oui, c'est logique, hein. Pauvre gars, il est...